Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et s'il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Ô oh Dieu vivant, l'éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci, toi qui nous as donné la vie et qui nous donne présentement l'opportunité de lever la voix vers toi tout ce que tu fais est bon aussi nous te rendons grâce pour les moments heureux comme pour les moments malheureux parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment tu nous as dit que tout ce que l'on fait en acte ou en parole tout soit fait dans ton nom voilà pourquoi nous remettons dans tes mains cette séance d'édification et d'enseignement permets donc que ton esprit soit avec nous pour nous conduire et nous rappeler Seigneur ta voix ceci pour la gloire du père au nom de Jésus-Christ amen 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ hallelujah Alléluia. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international a programmé pour nous les deux textes suivants. Le premier qui est tiré du livre des prophètes dans Osée chapitre 10 le verset 12 à 15 et le deuxième est tiré dans le Nouveau Testament, en Apocalypse chapitre 14 du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous voyons dans ces deux lectures deux appels distincts de Dieu qui interpelle tout un chacun à la réforme des voies. Ainsi, le premier appel de Dieu qui est tiré du premier texte est adressé à la collectivité d'Israël, alors que le deuxième appel de Dieu qui est tiré du deuxième texte est adressé à l'humanité tout entière. Ces, ces deux textes ont en commun le verset 12 du, du premier texte et le verset 7 du deuxième texte. Ces deux appels pourraient se définir comme un seul appel, qui est l'appel éternel de Dieu, qui est adressé à l'humanité pour que celle-ci puisse revenir à lui. C'est pourquoi nous avons choisi pour thème le retour à Dieu qui nous amènera à voir quatre processus pour favoriser ce retour à Dieu. Quel est donc l'intérêt de cet enseignement qui sera tiré de ces deux textes L'éloignement de Dieu expose aux désagréments et aux vicissitudes de la vie, tel que nous, le, nous pouvons le voir dans le premier texte, au verset 14 et au verset 15. Ainsi, Isaïe chapitre 59, le verset 1 jusqu'au verset 2 illustre bien combien de fois la séparation entre l'homme et Dieu n'est pas bonne, la distance entre l'homme et Dieu n'est pas bonne, où il dit qu'il n'écoute pas les prières parce que les péchés mettent une barrière entre lui et nous, et il illustre les, 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 les difficultés rencontrées par l'homme sous l'image d'une femme qui en grossesse, en un, un, un travail, est en train d'être de, de, l'objet euh, de certaines douleurs, telles qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe en son chapitre 26, le verset 17. L'éloignement de Dieu sera même vécu comme l'expression du jugement de Dieu à l'égard des âmes qui trouveront la mort. Il n'est pas bon d'être éloigné de Dieu, car si l'éloignement de Dieu trouve l'homme dans cet état-là, c'est ainsi que l'homme sera jugé devant Dieu, il sera éloigné de Dieu, il ne s'approchera pas de Dieu, il sera lui-même éloigné de Dieu, alors que le, ret le, la, le, le retour à Dieu favorise même le rétablissement de l'homme sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan matériel et également sur le plan éternel. C'est pourquoi à travers ces deux textes, nous verrons donc, comme nous l'avions dit, quatre processus qui favorisent le retour à Dieu. Quels sont ces processus Le premier, il est tiré du verset 12, il s'agira le fait de se défricher un champ nouveau. Tel que cela nous est ressorti dans les textes, que le Seigneur veuille nous assister, nous bénir. En Josué 24 au verset 23, montre le prophète Josué qui est au temps de sa fin. Il va bientôt quitter la terre. Il va mourir. Il a déjà une révélation de ce qui se passe, se passe au milieu des siens. Et Dieu lui a montré que les siens ont commencé à pratiquer euh, les, 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 le fétichisme, l'exercice des forces délétères, et que la suite du temps sera défavorable pour cette nation-là. Alors il les interpelle donc à se détacher de ces choses qui pourraient être nocives contre eux-mêmes. Et le livre de 1 Samuel, en son chapitre 7, le verset 1, Jusqu'au verset euh, 3 montre que celui qui ne se lance pas dans cette quête de revenir à Dieu en se détachant de ceux qui ont un rapport avec euh, l'obscurité n'est pas protégé contre ses ennemis. Que le Seigneur nous préserve de la force euh, du mal. Alors cela. Le fait du détachement est un travail qui est personnel et non pas qui relève de l'action de l'Esprit de Dieu sur l'homme parce qu'il il a dit défrichez-vous, c'est un ordre, c'est une ordonnance. Donc c'est un travail personnel, un travail individuel comme cela est arrivé à l'enfant prodigue dans le livre de Luc chapitre 15, le verset 17, le verset 20. Qui a eu une prise de conscience par rapport à la situation difficile qu'il traversait, il a pris des résolutions et il a agi. C'est ce à quoi nous sommes tous interpellés. À demander aussi le Saint Esprit pour qu'il puisse convaincre que nous sommes en état de péché, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veuille nous assister, qu'il nous bénisse également. Alors, le, le, le deuxième processus. Il est tiré du, toujours du verset 12 où, où il demande le fait de s'investir dans la recherche de Dieu jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne à, vers celui qui le recherche. Deuxième chronique, en son chapitre 15, le verset... Euh, deux montrent que Dieu gère l'homme dans la relation de réciprocité. Lorsque l'homme s'écarte de, de Dieu, Dieu aussi s'écarte de lui. Lorsque l'homme s'approche de Dieu, Dieu également s'approche de l'homme. Que le Seigneur nous assister. Dans le livre de Jérémie, en chapitre 29, le verset 13 au verset 14, Dieu a fait cette promesse qui se laisse trouver par celui qui le cherche, il se laisse approcher par celui qui le cherche également dans la condition de le chercher de tout son cœur. Mais il faut comprendre que... On ne cherche l'Éternel que pendant l'heure ou le temps qui se laisse trouver, pendant la période que lui-même est proche de l'homme, tel que cela est dit dans le livre d'Ésaïe, en son chapitre 55, le verset 6. Quand est-ce qu'il faut chercher Dieu Quand est-ce qu'il faut trouver Dieu Vous le verrez à travers l'action des saints apôtres dans le Nouveau Testament que euh, ceux-ci s'approchaient de Dieu à des heures et à des temps fixés qu'on a défini comme étant les heures de prière. Parce que Colossiens, euh, le livre de Colossiens, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 19, nous a dit de nous entretenir, de nous édifier par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. C'est l'illustration même de, 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 de la prière, la prière, le culte euh, chrétien céleste. et les, les, Béret, les gens de Béret nous ont aussi donné l'exemple dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 11, où ils regardaient les textes pour constater si tout était conforme à ce qui leur était dit. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous assiste, nous bénisse. Nous rentrons maintenant dans le quatrième processus qui est tiré de la deuxième lecture en son verset 7. Il s'agira de cultiver en soi et dans la collectivité, la crainte de l'Éternel. De Samuel chapitre 23, le verset 3 à 4 nous montre que cela est le secret même euh, d'une gouvernance euh, qui, qui fleurira. C'est ce que David a vu en vision que l'Éternel lui a montré. Alors il a géré le pays dans la crainte de l'Éternel. Il ne s'est pas détaché de l'Éternel. Il a marché dans la crainte de l'Éternel parce que Dieu lui a montré que c'est le secret pour avoir une gouvernance qui sera très fertile. Et béni nous avons aussi dans le livre de némi chapitre 5 le verset 9 qui montre que euh, la crainte de l'éternel est aussi le secret qui permettrait d'avoir de l'ascendance euh, devant euh, les adversaires que ceux-ci puissent avoir des égards vis-à-vis -vis de vous némi 5 toujours et dans le verset euh, 15 nous montre aussi que la crainte de l'Éternel est cette disposition qui permet de préserver chaque personne contre les mauvaises actions à l'égard de leur prochain. Celui qui a la crainte de l'Éternel, comme les sages femmes au temps euh, de Pharaon, ne, ne, ne se sont pas soumises aux ordonnances de Pharaon pour faire du mal aux enfants hébreux. Donc c'est une protection même. Pour soi-même, que le Seigneur nous assiste. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1, nous a montré que la crainte de l'éternel fait partie même du concept de la purification qui conduit à la sanctification. C'est une variante de, de, de la purification, mais à la différence des autres systèmes, c'est que la crainte de l'éternel, elle va pour l'achèvement même de la purification. Donc Paul nous a dit de, 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 de nous purifier des souillures, de la chair, de l'esprit, et il dit en achevant la sanctification par la crainte de l'éternel. D'où je disais que la crainte de l'éternel est un processus même de purification, mais une purification qui va dans son processus d'achèvement que Dieu nous bénisse, nous, nous, nous sanctifie. Le quatrième processus est celui de l'adoration. Il est tiré dans le verset 7 de la deuxième lecture. Et le livre de Matthieu 4, le verset 10, nous montre que l'adoration même est une action qui, 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 qui permet de stopper les forces de l'Éternel dans leurs actions. Nous voyons cette période difficile traversée par le Seigneur Jésus-Christ, où celui-ci était l'objet des tentations de Satan, mais lorsque le Seigneur a parlé d'adoration, Satan s'est retiré de lui sans aucune résistance, que le Seigneur nous assiste. Et 1 Corinthiens chapitre 14, en son verset 24 et 25, nous montre que euh, l'adoration... À Dieu, euh, c'est une attestation, c'est un acte qui atteste du fait de la présence de Dieu et de la croyance en Lui. Toutefois, le concept de l'adoration n'est pas bien compris parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans Jacques 4, verset 23 à 24, nous a parlé d'une adoration qui est vraie et d'une adoration aussi qui est fausse. Mais lorsque nous rentrons très bien dans euh, les saintes écritures et dans le dictionnaire, le mot adoration fait référence à l'amour excessif tel que cela est dit dans Matthieu chapitre 22 verset 37 où dit tu aimeras le Seigneur de toute ta force, etc. C'est la plénitude même de l'amour. Mais en quoi consiste l'amour de Dieu Dans Jean chapitre 14 verset 21 à 24, Dieu l'a dit que euh, si tu m'aimes, garde mes commandements, mais elle est en pratique, celui qui le fait est dans l'amour de Dieu. Il est déjà dans, euh, si on veut, dans l'atmosphère de l'adoration à Dieu. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'adoration est un rituel qui est constitué de diverses stations. La station rectiligne... Et qui est accompagné de l'élévation des mains, l'inclinaison, la prosternation, la prosternation face contre terre, tel que nous le voyons dans le livre de Néhémie chapitre 8 en son verset 6. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons vu, euh, pendant ce temps qui nous a été donné, les... Quatre, comment, les quatre processus qui conduisent au retour vers la divinité. Il s'agit, premièrement, le fait de, de se défricher un champ nouveau, tiré du verset 12 de la première lecture. Il s'agissait, deuxièmement, euh, comme processus, le fait de s'investir dans la recherche de Dieu jusqu'à ce que lui-même vienne vers le chercheur. Nous l'avons vu dans à partir du verset 12 même de cette première lecture. Et troisièmement, nous avons vu euh, comme euh, processus euh, le fait de cultiver en soi-même et au sein de la collectivité la crainte de l'Éternel. Nous l'avons vu euh, dans le verset 7 de cette deuxième lecture. Et le quatrième processus consistait à l'adoration de Dieu et nous l'avons fait ressortir dans le verset, toujours dans le verset 7 de la deuxième lecture, c'est ce que nous ferions comme détail pour nous aider à revenir vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement. Ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ. Saint-Michel. Ô oh Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta bonté qui ne cesse de se manifester à notre égard. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous as fait vivre. Aussi, nous sollicitons ta clémence pour ton peuple, ta miséricorde, afin que tu laisses déverser ton esprit sur tous qui sont à l'écoute de ta parole, pour que ton esprit puisse travailler dans la conscience, dans l'inconscient, dans l'âme, dans l'esprit, dans les pensées, dans le souvenir de tout un chacun, afin de les ramener dans la bonne voie et leur permettre de marcher dans ta voie pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.